Et bonjour, donc nous voici sur un petit tour. Alors je pense que Thierry va être d'accord avec moi, ça va être un impensable. Il n'a pas vu le tour justement, donc je vais lui faire, on va voir la réaction qu'il va avoir et s'il est capable de déceler quelque chose. Mais je pense que ça va rentrer dans cette catégorie. Bonjour à tous. Alors déjà ce qui est pas mal, c'est qu'on va utiliser un jeu qui est complètement ordinaire. Tu Donc vois? tu pourras pas... J'ai pris ton jeu. Ah, Donc au c'est à moins comme moi, ça c'est on bon. enlève toute idée que j'ai pu utiliser un jeu marqué ou des choses comme ça. Et l'idée va être la suivante. Donc 52 cartes ou différentes. Donc là tu connais ton jeu, hein, je peux te les montrer. Hein. Ouais, Ok. je vois. Voilà. Et l'idée va être la suivante. Ce que je vais te demander, alors ça va être très très simple. Là je suis assis pour le moment, mais je vais me retourner. Pourquoi? Parce que je vais en fait faire des choses. Et pour pas qu'on puisse penser, parce que bon, j'aurais pu le faire sous la table et deviner quelque chose, mais du coup tu vas dire je triche, j'ai des choses comme ça, j'ai des miroirs. Donc je vais le faire dans la condition réelle où je vais me mettre debout. Et donc même si on ne me voit pas, c'est pas grave, et je te donnerai les instructions dos retourné, d'accord? Alors l'idée va être la suivante. Tiens, je vais te demander. Oh, je vais te demander, je vais pas rien te demander du tout. Je vais t'expliquer ce que tu vas faire. Tu vas couper le jeu, comme ça. Tu vas te couper, prendre la carte, la regarder, la montrer et la mettre dans ta poche, d'accord? Une fois que tu auras fait ça, moi je te dirai les instructions que tu vas faire, d'accord? D'accord. Alors, c'est parti. Donc, je me lève. Alors, attends, je pousse ça. Je coupe. Ok, je laisse le jeu ici. Je me retourne. Et maintenant, tu vas couper à peu près dans le milieu du jeu. Hein. Donc, je suis en Voilà. train de voir si je peux couper vraiment n'importe où. Ah, tu peux Apparemment, oui. couper n'importe où de manière. Voilà, tu coupes. Où Ouais. tu as coupé la carte qui est sur Ah. le tapis, Je peux prendre celle qui est sous mon jeu? tu peux prendre celle qui est sous ton jeu si tu as envie aussi, D'accord. c'est pareil. Enfin, sous la partie que tu as coupée, tu parles. Ouais, je peux prendre autant celle-là que dessous. Ah, tout à fait, oui. D'accord, ouais, je prends celle-là. Voilà. Comme ça, je suis sûr que tu la vois pas. Tu la mets dans ta poche. Ok, on voit bien, je sais pas. Voilà. Voilà, je la mets où je veux. Non, dans ta poche. Je la mets sous la boîte, comme ça, Ok. devant moi. Maintenant, tu as une partie dans les mains. Ouais. Cette partie, bah, tu peux aussi, parce qu'on pourrait penser peut-être que j'ai fait un montage ou quelque chose comme ça. Bon, tu as bien vu que tout était mélangé, mais tu peux Ah oui, je mélanger peux le ta partie de mélanger. carte. C'est important. Voilà. Et une fois que tu as mélangé, la partie qui reste sur la table aussi, bah bien évidemment, tu peux la mélanger aussi. Parce qu'on pourrait penser que Je peux peut-être examiner, que hein. je regarde un repère, enfin, je regarde rien, mais voilà, la caméra, peut-être qu'on ne Ah, je voit mélange pas. aussi l'autre? Ouais. Je sais pas si on arrive à bien voir que je suis entièrement retourné. Oui. Voilà. Et Là, c'est sûr que je vois maintenant, rien. T'as aucun point de repère. voilà. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que la partie qui était sur la table, tu la mets face en l'air. Je me rappelle plus c'est lequel, je fais celle que je veux. De quoi? Je me rappelle plus. J'ai compris, une face en l'air, une face en Voilà, bas et. oui, tu mets celle que tu veux, mais c'était pour te simplifier la tâche, quoi. Ouais, mais je C'est me bon. rappelle plus c'était dessus ou C'est pas dessous. grave. Maintenant, donc, tu as les jeux qui sont face à face. Oui. Et du coup, tu vas prendre tout le bloc dans tes mains, tout le jeu de cartes, et tu vas le tourner comme ça dans tes mains. Tu sais pourquoi je te fais faire ça? Mais Parce comme ça, que tu sais pour que tu plus. puisses plus savoir quelle partie était la haute et quelle partie était la basse. Moi, je savais pas non plus, C'est donc. bon? Ouais. Donc, t'imagines que tu m'as brouillé les cartes, face en l'air, face en bas. Tu as coupé, tu as mélangé. Ouais. Toi seul connais ta carte, je ne connais ni ta carte ni la position de la carte. Maintenant, regarde ce que je vais faire. Tu vas me donner le jeu dans les mains. Et ce que je vais faire, je peux me retourner? Je ne vois Oui, pas. vas-y. Grâce à mon toucher exceptionnel, je vais essayer de deviner ta carte. Alors, regarde bien. Pendant que tu fais ça, j'imagine un truc. C'est Ah, que. stop! Ouais. C'est une carte paire. C'est exact. Bah, s'il avait été dans l'ordre, c'était facile. Mais là, j'ai bien regardé les cartes Facile. opposées. Ah, je l'ai. Je l'ai. C'est une carte paire. Ouais. Une carte à trèfle. Je croyais que tu allais la sortir. Et Mais non, c'est elle est le là. 6 de trèfle. Exact. C'est C'est ça. bien ça? Ouais. Fais 6 de voir. trèfle. Non, c'est sûr Alors? que s'il avait été dans l'ordre, c'était plus facile. Il y a des techniques comme ça. Mais là, le jeu était. On a vu mélanger. Bon, je l'ai regardé parce que tu m'as montré, t'es pas dans l'ordre. Rien du tout. Moi, je t'ai mélangé les cartes. Bon, tac, tac, tac. C'est vrai que. D'une autre manière, ça aurait été faisable, mais là, c'est pas mal. C'est joli? Ouais, c'est joli. Voilà, Ça. donc une petite Je pense que si je l'ai pas rapidement, ça va plaire à tout le monde.
Et comme je dis, s'ils avaient été dans l'ordre, ça aurait été plus ou moins facile de la retrouver avec d'autres techniques. Mais là, je t'ai vu mélanger, tu m'as montré les cartes. J'ai bien vu que... Il n'y a rien à apprendre, hein. C'est ce que tu cherches, on ne sait jamais. Il n'y a rien à apprendre, il n'y a pas de trucs mémotechniques ou de trucs... Alors voilà, ça, c'est ça, toi qui le fais, parce que c'est toi, mais est-ce que j'aurais pu le faire moi? Ah oui, bien sûr. Donc, souvent, on dit que si c'est Jérôme, c'est plus dur, mais comme il dit Jérôme, si j'aurais pu le faire moi. Il n'y a pas de subtilité. Souvent, quand c'est toi qui fais les tours, c'est plus dur. C'est pour qu'il puisse se repérer dans les lignes. Non, là, non. Là, j'aurais pu le faire, donc facile. Il n'y a rien de, rien de particulier. Moi, j'ai mélangé mon jeu au départ, je l'ai montré, mais on peut ne pas le faire si on a envie aussi. De manière, c'est tellement clean qu'on n'est pas obligé de montrer toutes les étapes où je coupe, où je mélange les cartes. On n'est pas obligé de faire tout ça. Mais, on va dire, pour la beauté du tour et pour la... On va dire la fluidité et l'impact du tour. Tu m'as montré le jeu, donc j'ai vu qu'il n'était pas dans l'ordre. C'est quand même plus joli. Et t'es allé vite, donc... Oui, c'est... En plus, tu sais pas dans quel sens. C'est ça qui est... Tu aurais pu l'avoir comme ça ou comme ça. Même moi, je me rappelais plus parce que j'ai pris... J'ai mélangé. J'ai pris l'autre, j'ai mélangé, mais je me rappelle... Et en plus, je les ai examinés, les cartes, quand j'ai mélangé. Pour que le tour... Je sais plus c'était lequel, celui-là ou celui-là, donc j'ai pris un, j'ai pris comme ça. Pour que le tour réussisse, il faut bien que les spectateurs écoutent ce que vous dites, voilà, tout simplement. Donc c'est sûr que si vous leur demandez des choses, parce qu'il y a quand même une certaine... protocole. Un certain protocole à faire, hein, puisque ça reste un tour dit plus ou moins automatique, c'est pas non plus automatique à 100%, mais on va dire ça allait à 80%. Si les gens respectent les choses que le... que vous dites, ça fonctionne. Donc il faut bien cadrer les spectateurs. Je sais que Thierry, si je demande de couper, il va couper. Je demande de mélanger à la française, il va mélanger à la française et pas faire n'importe quoi. Non, mais en plus, j'ai bien regardé que, qu'on puisse couper vraiment où on veut. Des fois, on coupe et on tombe vraiment sur une carte. Ah non. Genre forçage. Il n'y a pas de. Là, j'ai vu que je peux faire ça. Je vois ce que tu veux. Il n'y a pas de carte clé. Ouais. Si on veut. En plus, je t'ai pas. Prendre celle-là, moi j'ai pris celle-là. Non, la carte, elle est absolument pas forcée. Tu choisis vraiment la carte sur laquelle tu vas couper. Donc il n'y a pas de forçage de carte. Non, pas mal. Comment ça serait quand même bonne idée. Bon, voilà, donc je trouve que c'est assez sympathique. Donc, voilà, on en a 2-3 comme ça qui arrivent, qu'on trouve sympa. Mais celui-là, c'est vrai que je trouve que l'idée est bonne. Explication ? Voilà. Eh ben ouais, c'est parti pour l'explication. Allez, on l'enchaîne.